Il faut qu'il fasse quoi, les gens? Avara. N'aie pas peur, Avara. Gym 4, on a une nouvelle. Fais plusieurs sympas. Toi. Guinness. Ah, ça, c'est, il va faire un record, celui-là. Oui. Ganja. Oula, ganja, ça tourne un peu la tête, ça, hein. Oui, mais j'ai pas encore. Oui. Oh, non, mais t'es le père Noël, toi. Salut, toi. Ah là là. Vous m'entendez? Avec la niche, oui, tout à fait. Le quatrième chien. Ah oui, je sais. Alors il a dû voir comment se passe pour passer entre les chiens, mais bon. Il faut qu'on fasse avec. Alors au jour d'aujourd'hui, on travaille plus de méthode classique, hein, on travaille sans méthode naturelle. Il n'y a plus de cogné étrangère, ça n'existe plus. Il y a qu'en France qu'on veut encore ça, ça date de 1900 en fait. Et tout ce qui est pays belge et suisse, ils ne travaillent qu'en méthode naturelle. C'est-à-dire à la récompense. Alors on a du mal à le faire en France, on met que c'est autre chose. Tranquille. Donc là, les 5 personnes qui vont passer en second vont s'écarter pour laisser place aux 3 jeunes chiens. Donc là, les jeunes chiens vont évoluer en est, hein, pour un peu plus de sécurité, pour vous, parce que de vous manger les fesses. C'est bon? Allez, go, c'est parti. Donc là, ils tournent autour d'un carré. Ils vont faire un arrêt, le chien doit s'asseoir. Il repart. C'est ce qu'on apprend en apprentissage. Hein. Alors, pour essayer de passer derrière ici, c'est mieux. Donc là, ils vont faire les positions assis, couché, assis, debout et assis. Ensuite, les chiens, pas bouger. Alors par rapport à ce qu'a appris Eric, ça n'a plus rien à voir, on donne une récompense avant de partir et puis on revient, on redonne une récompense. On ne remet plus le chien fermement à sa place comme avant. C'est parti. Mais je filme. Tu ne regardes pas cette période où on massacrait les chiens alors. Pas du tout. Dommage, mais ça a un charme aussi comme ça. Donc là, on va faire ce qu'on appelle faire rapide. Donc, je demande à des personnes qui veulent tenir les chiens. Il faut faire ça. Allez, donc, va vite. Oui. Là-bas. Oui, pas faire, si tu veux. Donc là, les gens vont brancher le chien. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la récompense devant la truc du chien et vont partir en courant. Et là, en fait, le chien revient très rapidement. D'accord. On branche au son. On rappelle. Pas bouger. Ah ben, oui. C'est sûr qu'elle va aller faire les fesses. Allez, on tient.
Elise. Rappel. Elise au pied. Alors vous voyez, les chiens viennent rapidement. Pourtant, méthode classique. Le chien devient toujours doucement, méthode classique. Donc là, maintenant, je vais essayer de laisser place aux 5 chiens qui vont évoluer sans. C'est parti. On arrête. On repart. Woody, ok. Alors Woody, ça fait pas 15 ans qu'il vient d'éducation. Ça fait pas longtemps déjà. Donc voilà, on arrive quand même à obtenir un chien qui marche au pied sans l'aide. Les chiens n'ont pas bougé. On repart au chien. On repart. Les chiens vont bouger, on fait le tour du carré. Si tous les chiens étaient comme ça, ce serait merveilleux. Le problème, c'est qu'en France, on en est loin. Et très loin. On y va ? Les allures, donc les marches lentes, marche normale, marche rapide. Le chien doit toujours rester sous contrôle de son maître. Alors là, pareil, on essaie de faire un rappel rapide. J'ai gonflé. Même chose. Pas à bouger. Au pied, aux jambes. Alors Woody, il n'est pas toujours rapide. Hein, Woody, au pied. Voilà. Le chien prend vie, ça. Moi, je vais appeler ma chienne. Hein. Je vais vous desserrer un petit peu. Ça. Donc. Au pied. C'est mouillé. Les chiens pas bouger, mais ça les chiens. Pas bouger, c'est les plus obéissants. Alors là, comme c'est un peu mouillé, elle a peur de mettre le vent. Au milieu, les maîtres vont repartir. Maintenant, on va faire des marches à droite, ainsi que des sur un trou. Là, je n'aurai pas le micro. C'est parti. Donc, les chiens, il y en a un qui va passer à droite. Voilà, pour éviter l'autre chien. Hein, quand les chiens ne se connaissent pas, ça évite tout problème. Puis là, les deux vont passer à droite. Comme ça, les maîtres vont pouvoir s'interposer entre leurs chiens. C'est bon ? Assis. Dis-nous. Donc là, on va rappeler les chiens, on va bloquer. Ouais.
rappelais plus. Elle va le faire après. Luno. Pas bouger. Reste. Tu m'as dit qu'est-ce qu'elle avait eu. Luno. Vous dire pied. Non mais je sais, mais... Elle a fait une faible, non. Regardez. Là, ça va faire. Alors, William va vous présenter une petite démonstration de gameplay. C'est ce qu'on peut faire avec un chien parfaitement éduqué. Donc, à dessous. Allez. Le chien tourne autour, serre. Elle ne veut pas s'asseoir, elle s'ouvre. Pauvre. On appelle une petite chaise musicale. Hein, quand les chiens sont pour travailler un petit peu ludiquement, on met les chiens pas bouger, les gens doivent courir après les chaises. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Assis, pas bouger. Pas bouger. Donc Nadine est éliminée. On enlève une chaise. Ah oui, bah c'est motif pour moi. Faire partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assis, pas bouger. Marion est éliminé. On enlève une chaise. Attention là. Ils avancent doucement, c'est quoi ouais. En général, c'est Céline qui gagne. Hein. C'est la spécialiste. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Pas bouger. Donc là, c'était midi. Et il en reste donc deux. On trouve une chaise. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Assis, pas bouger. Ouais. Pas bouger. Pas bouger.
Elle était toute seule. Bravo, là. Oups. C'est ça l'homme. Ouais, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Ah.